Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 13. Oui, ça doit être ça. Donc aujourd'hui on va monter les goujons sur ce moteur. Donc voilà, pour ceux qui ont raté les premiers épisodes, je vous mets le lien de la playlist juste ici en fiche. Voilà, vous pourrez aller voir les épisodes précédents. Et aujourd'hui, montage goujon. Juste pour ceux qui ont tout suivi, dans l'épisode numéro 12, j'ai monté la pipe d'admission. Et ce que j'ai pas filmé, ça m'a pas semblé primordial de vous le filmer, c'est le montage du sabot moteur. Donc voilà, faut juste retirer les trois premiers goujons ici, enfin les trois premières vis qui m'ont servi à monter le carter, les retirer, mettre le sabot et les remettre et resserrer au couple. Donc voilà, c'est vraiment pas grand chose et il me semblait pas nécessaire de vous filmer cette étape. Bref, sinon, donc aujourd'hui, on va s'attaquer au montage des goujons. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est de les monter au frein filet bleu. Voilà. Ceci pourquoi? Ça empêche quand ils sont juste serrés comme ça dans le bas moteur, il peut arriver avec la chauffe du moteur, voilà les contraintes thermiques que peut subir un moteur, que quand vous vouliez enlever juste vos écrous de culasse, et ben il se peut que des fois le goujon vienne avec et c'est toujours un petit peu embêtant. Donc voilà, moi c'est pour ça que je les monte toujours au frein filet bleu. Alors pour ça c'est très simple, pour pouvoir serrer un goujon correctement, il va falloir hop visser deux écrous de 7 mm. Voilà, à l'opposé du filetage qui va venir dans le bas moteur. Voilà, vous mettez les deux écrous l'un contre l'autre et vous venez les serrer. Je vais vous montrer, j'espère que vous verrez. Voilà, vous les serrez comme ça l'un contre l'autre. Modérément, hein. Voilà, comme ça, ici ça vous fait une pièce. Qui bouge pas et vous allez pouvoir vous en servir pour bloquer en fait. Ensuite, très simple, hein, on prend du frein filet bleu. Bon, je vous remontre, c'est du Loctite bleu. Hein. Bloc écrou, ça s'appelle aussi frein filet, enfin, il y a plusieurs dénominations, mais tout le monde connaît. Une goutte. Alors, attendez, si je vous le filme, c'est mieux. Vous en mettez une goutte. Voilà, bien sûr, quand on filme, ça se passe jamais comme prévu. Hop, voilà, une goutte sur le pas de vis. Une goutte, ça suffit. Hein. Et ensuite, vous venez le visser. Donc au début, vous approchez à la main. Hein. Voilà. Et ensuite, avec une clé plate ou à pipe, vous venez prendre l'écrou du haut et vous venez serrer. Voilà. Donc pareil, hein, vous serrez toujours modérément. Voilà, après là, je dois mettre un kilo au doigt, hein, je sais pas vraiment, hein, mais d'avoir un kilo, 1,5 kg, je serre pas comme un abruti non plus. Voilà, vous serrez le goujon. Voilà. Ensuite, vous démontez votre montage. Donc pareil, vous reprenez une deuxième clé et vous enlevez. Hop, vous désolidarisez les deux écrous. Et c'est terminé. Vous les enlevez. Hop. Vous faites gaffe que ça ne tombe pas dans le bas moteur. Voilà. Un petit coup de chiffon. Parce qu'il y a toujours un peu d'excédent de frein filet. Et voilà. Votre premier goujon est monté. Il vous suffira de reproduire l'opération pour les trois autres. Voilà. Sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao, ciao.